cours de circuit training aujourd'hui, je crois. Voilà, la dernière fois, c'était un renforcement musculaire avec moi en coach et lui en tant qu'adhérent. Et là, je crois que ça va être l'inverse. Ouais. Il faut, comme je l'ai dit, savoir attendre pour se venger. Donc, ça tombe aujourd'hui dans un format un peu particulier. Donc, ça sera du temps réel. Vous allez pouvoir nous suivre comme un coco habituel. Donc, ça va être génial. Aujourd'hui, ça sera ciblé bas du corps principalement avec un renforcement au niveau de la ceinture abdominale. Ça va être pas mal, Lucas. Tu me diras des nouvelles. Notez que moi, j'ai fait un cours en entier et que Mike, la dernière fois, avait fait juste quelques petites démos. Non. Voilà. Pas vrai. Bon, ouais. Allez, c'est parti. Bon, on est parti pour l'échauffement. Je vais faire avec vous. On commence par les chevilles, le petit tour de cheville, parce que Mike, le coach à moitié apparemment. Je fais l'échauffement tout seul. Je suis là. Allez. On est parti, première démonstration, premier exercice, celui que vous affectionnez le plus peut-être, et moi aussi, le squat. Donc, principalement du air squat, car on n'a pas de charge sur le dos. Donc, pied largeur de bassin, donc les genoux vont venir suivre la pointe des pieds. Donc, c'est une image toute simple, c'est comme si on s'assoit sur une chaise, sinon ça ne saute pas. Voilà. Donc, on est parti, Mika, on regarde le regard devant soi, légèrement vers le bas. Et on est parti pour l'amplitude. On s'échauffe en même temps, donc on ne descend pas en dessous de la parallèle. On s'échauffe. On est sur une moyenne amplitude. Pas longtemps. Voilà, exactement. Mika, il avait envie de s'échauffer correctement avec une full amplitude. Donc pourquoi pas. Allez, on y va. Tu peux dire que je suis entraîné ce matin aussi. Oui. J'ai déjà fait les jambes et que le cours aurait pu faire. Ça, c'est pas une excuse, on est des coachs et on est obligé de montrer l'exemple, on est obligé. Mais je sais que tu feras ça dans ma tête, avec brio, comme toujours. Ok, super, c'est très très bien. Deuxième exercice. Le deuxième exercice, tout simplement, on va reprendre le même mouvement, mais on sera en isométrie, c'est-à-dire on sera statique. On sera en position de squat. Donc voilà, légèrement plus bas. Donc, petite option, si vous avez une bouteille, vous pouvez rajouter. Et l'idée, ça va être de lever une main, redescendre, puis l'autre. Une main, puis l'autre. Super. Jusque là, on va pas au-dessus des 90. Et on est très très bien. On est très très bien. On garde ça. Ça chauffe un tout petit peu, Mika, ou pas? Un petit peu. Ok. Oui, parce que je me souviens de ce que tu as fait au précédent cours et ça tremblotait un tout petit peu. Troisième exercice, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure et je pense que ça va vous plaire. Troisième exercice, on est sur du mountain climber. Donc au sol, c'est comme si on était en position planche. Donc épaules, bras et avant-bras sont alignés. Les abdos sont resserrés. Dans le cas, tu vas lever les genoux. Voilà, position planche. Et les genoux vont venir essayer de toucher les épaules. Et on va dans un premier temps à un rythme plutôt tranquille. On va venir chauffer toute la ceinture abdominale en même temps. Attire un tout petit peu, Mika. Voilà, histoire de bien chauffer en même temps. Ça, c'est le tour de chauffe en même temps et je me fais mon petit plaisir. Ça va, Mika? Ça va. Ok, on est parfait. 3, 2, 1. Ok, tu peux relâcher. Ça va être sympa. Alors, ces trois exercices. Ça va? Il fait chaud. Donc, ces trois exercices, le but du jeu, ça va être de les enchaîner sur 10 minutes.
le circuit à réaliser le plus de fois possible en 10 minutes. On est pas mal ou pas, Mika? On est pas mal. Bon, ben, buvez un coup, on se retrouve tout de suite après. Et 10 minutes non-stop, allez, let's go. Allez, let's go, Mika, on est parti pour 20 secondes de squat. Ça sera le protocole, 20 secondes à chaque fois pour chaque exercice. Allez, c'est parti. Donc, on pousse bien sur les talons, on descend bien. Le dos est aligné, le regard légèrement vers le bas et on est parti. On souffle bien. Allez, on est parti pour l'iso, Mika. Ça sera le premier tour de chauffe. Ouais, de chauffe. Là, on chauffe. Voilà, c'est très très bien. Histoire que tu prennes le rythme. Avec les 20 secondes, on continue. Allez, on respire bien. Tu souffles quand tu montes. Allez, on est parti pour les climbers. Tu me resserres bien les abdos. C'est aligné. C'est parfait. Encore une fois, c'est très important de pouvoir aligner bras, avant-bras. Et allez, on donne du rythme tranquillou. Et la phase de travail va commencer. 2, 1. Let's go, allez, on est parti, phase de travail. Vraiment, on est parti. Squat. Super, très très bien. Tu gardes ce rythme. Mais non, ça va bien se passer. Promis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'atomise vraiment le coach Mika, le seul unique? Allez, on est parti. Let's go, super. Ouais. On continue. On essaie de garder les bras parallèles au maximum, sans aller trop haut. Ça chauffe en même temps les épaules. Allez, climber. Le plus dur, c'est de pouvoir enchaîner cet exercice. Donc, avec un mouvement, avec un côté statique et le mouvement des épaules, et enchaîner tout de suite derrière avec du climber, c'est vraiment très très difficile. On verra que après, par la suite, sur les tours, ça va être très bien. Allez, Mika, on est parti pour tout ça. Allez, respire bien. Inspire quand on descend, on souffle quand on remonte. On pousse bien dans les talons. C'est très très bien. Les talons sont collés au sol. On ne lève absolument pas les genoux. Suivre la pointe. Très très bien. On garde ça, Mika. T'inquiète pas, tu m'occupes du timer. Fou, je ne triche absolument pas. Allez, on continue. Inspire, respire. Inspire. On descend. Allez. Ah, c'est super le test que tu donnes. J'espère que vous transférez aussi de votre côté. Allez, let's go, on est parti pour les climbers. Visiblement, je t'aime beaucoup les climbers. Je pense que c'est l'un de mes mouvements préférés avec les squats. Parce que ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude de le voir en photo. Et ça, c'est génial. Allez, on continue. Garde le rythme pour l'instant. Le but, c'est de finir la session en 10 minutes et faire un maximum de tours. Let's go squat. Allez, on respire. On sent la congestion qui commence à arriver. Les muscles commencent à vraiment petit à petit se gorger. Allez, Mika. On continue, on lâche pas, c'est pas le moment. Là, ça va devenir mental au bout d'un moment, mais on n'est pas encore dans cette phase. Allez, continue. Il n'y a pas de pause. Ah non, il n'y a pas de pause. Là, c'est, on est des guerriers, on n'est pas là. Les Vikings. Allez, Mika. Allez, respire, mais non. Allez, on monte un petit peu, Mika. Allez, super. Allez, respire bien. Respire bien, on est très très bien. Tu gardes le rythme. Là, le rythme, tu peux juste rester à ce niveau. Je ne demande pas d'aller plus vite. C'est très très bien. On commence à bien resserrer les abdos. Ok, super, c'est très très bien. C'est aligné, tête, colonne, haut des fesses. On est très très bien. On garde ça. Ok, super. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les squats. Allez, très bien. Souffle quand tu remontes. On garde ça. Très très bien, super. Allez. Donc, on a besoin de travailler aussi en même temps son cardio. C'est ce qui fait que l'enchaînement de ces trois exercices, ben, nous pousse à aller plus loin. Allez, bien. C'est bien la chance que tu l'aimes bien. Je sens un tout petit peu plus les fesses. Et c'est là où c'est dans ce genre de monde où on se rend compte qu'on est coach aussi, on n'est pas des surhumains et on est des êtres humains comme tout le monde. Allez, Mika, allez. On envoie, c'est le moment.
20 secondes, c'est très très rapide, mais plus on arrive vers la fin, et plus c'est long. On se demande si c'est 20 minutes ou 20 secondes. Allez Lucas, continue, tu gardes ça, le rythme est très très bien. Allez, let's go, on est reparti. Respire. Voilà, super. Très très bien. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même souffert avec l'entraînement de Lucas, donc c'est pas sans un certain plaisir que je m'occupe de Lucas aujourd'hui. Allez, on descend bien. Non, on sans chaise sur celui-là. En chaise, alors ça peut être une option éventuellement, oui, pour ceux qui commencent à vraiment sentir leurs muscles tétaniser en même temps et commencer à avoir une petite sensation au niveau lombaire. On peut éventuellement transformer cette position en chaise contre le mur. D'accord ? Donc ceux qui n'ont pas de charge, de poids, de 1 kg, comme le cas a pu avoir, mais des petits bouteilles d'eau feront aussi l'affaire. Allez, Lucas, les climbers, on pense à bien resserrer même en dessous des pieds. Ah si, si. Mais c'est la team à jouer, Lucas. C'est la team à jouer. Là, il y a plus de tir. Ça y est, la team est mort. Allez. Allez, on continue. Les tours là, c'est dans la tête. C'est très très bien ce que tu donnes. Respire bien. Souffle bien. Quand tu remontes, on pousse sur les talons. Allez, tu peux te mettre le long du mur si tu veux. Allez. Je sais pas si c'est bon. On a un certain confort, mine de rien, une certaine stabilité. Et donc, le cas de son dos, c'est pas si mal aussi. Ça sera l'option 2 quand tu commences à. Attends, moi. Il n'y a pas de soucis. J'ai pas dit pas. Allez, Lucas. On est au top. On continue. On ne lâche rien. Je sais que tu finiras tes 10 minutes tranquillou. Je te dis, tu pourras même refaire 10 minutes. Tout à fait. Sans problème. Allez, regarde ça. Continue, continue. Allez, super, Lucas. Allez, respire. Allez. On arrive dans la phase critique, comme je le disais tout à l'heure. Les muscles commencent à nous dire, à vouloir sortir du corps et dire non, stop, j'arrête. Mais c'est là où il faut faire intervenir son mental. Et c'est ce qui fait la magie du sport, c'est que se dépasser, ça fait partie de ces choses. Et let's go, Lucas, c'est le moment. Se dépasser, c'est se dépasser. C'est le slogan en fitness park, en même temps, se dépasser, se surpasser. Oh merde. Et c'est aussi. Je suis parti sur la montée, mais alors c'était pas le montée. C'est pas grave, Lucas. Et c'est là où on fera aussi que réfléchir devient très compliqué. Oh. Allez, let's go, Lucas, c'est le moment. Allez. Donc, tu feras un tout petit peu plus de chaise. Non. De tir, non. Lucas, oublie pas les quoi. Ah mince. Voilà, j'ai pas oublié. Allez, on est parti. Let's go. Allez, Lucas, c'est le moment d'envoyer. Regarde, là, je vais faire chaise. Squat. 8, chaise. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, squat, Lucas. Allez, on reprendra le bonheur. Ça veut dire que les deux exercices sont hyper rapprochés là, donc tu te fais mal un peu plus tout seul. Et c'est ça qui est génial. Quand on est coach, ce coach, c'est celui qui aura l'idée la plus dingue en fait. Comment faire le plus de mal à l'autre. Et c'est ça qui est génial dans ce métier. C'est ça qu'on adore. Allez, Lucas, on continue. Nickel, c'est très bien. Un petit peu plus de voilà, montre l'exemple, on est très très bien et ça se passe pour ma mal. Ok, donc c'est là quand on commence à poser des questions, on voit s'il est en aisance respiratoire ou non. Ça c'est très important de prendre cet enseignement et peut-être d'adapter aussi en même temps. D'accord ? Pour ça que le son 2 est aussi intéressant. Allez, Lucas, on change. Allez, let's go. Très bien. C'est bon, parti pour des squats. Exactement. On est parti. Allez, let's go. Allez, c'est du mental. Allez, let's go. Super. Très bien. Allez, descends. Tu souffles, tu remontes. Pousse bien sur les talons. On est très bien. L'amplitude est excellente. C'est pour ça que là, on peut descendre un tout petit peu plus. Oui, oui. Et on monte devant. On alterne. Voilà, exactement. Désolé, mais mon cerveau il est. Alors, deuxième option. Et ça, c'est vraiment ce que tu veux plus. On peut laisser les poids de côté si vraiment vous sentez que ça devient très très dur.
à lever. D'accord. On va éviter les tensions hautes. Surtout qu'après, les bras sont à rude épreuve avec les flingueurs. Enchaîner, ça va être très bien. Allez, Mika. Allez, allez. Let's go. Et là, c'est vraiment le moment où on termine. Ça va, Mika? Facile. Facile. Ouais, vous avez vu comment il a terminé ça? C'est nickel. Non, franchement, au calme. Hyper efficace. Efficace? Ah ouais. Cardio, tu le sens comment? Le cardio, bah après, j'ai pas été à fond sur montagne. Donc, je pense que si j'étais monté dessus, ouais. Ouais. Mais il est bien le cardio. Je pense qu'on est à un bon BPM pour ouais. bien travailler, ça va être plus amorphe. Ok. Mais non, cool, hein. Cool. Ouais. Je pense que tout le monde aura mal. Je pense que. L'enchaînement est pas mal, vu Mika, l'état dans lequel il peut se trouver. J'espère que ce petit enchaînement circuit vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous montrer vos entraînements aussi, nous publier vos retours. Ça peut être très très cool aussi en même temps. Et ben, je pense qu'on peut se dire à bientôt, très bientôt. Bientôt, Mika. Très bientôt. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je pense que ça risque d'être pas mal. Bon, merci Mike. On reçoit bien, prends soin de toi. Hein. À bientôt l'équipe. Salut. La prochaine fois, je vous annonce, il vomit. Et vous aussi d'ailleurs.